Salut à tous, c'est Tito Golfette, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, vidéo RTA, on est monté 72e, donc dans le top 100, assez rapidement, assez facilement, on va pas se mytho. Je vais vous montrer les petites games que j'ai fait des games super intéressantes, super fun, enfin voilà. Je vous laisse la surprise, j'espère en tout cas que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et nous, bah, directement, on est parti avec les petits replays. Donc c'est le petit replay que j'ai fait tout à l'heure, je me suis vraiment régalé. J'ai joué plein de gameplays différents, plein de mobs qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Dans du petit Jamir, Jamir en 2024, on n'en voit plus trop à part avec du tableau. Ici, on va tenter de le ressortir contre de la Véronica. Évidemment, c'est pas contre la Jaina que je veux prendre ce Jamir, vu que depuis le nerf, le buff pardon, de Jaina, c'est compliqué. Et on a même joué un petit Bélial, vous verrez plus tard, on a joué du Bélial, c'était plutôt sympa. Donc voilà, donc là en fait, au final, bah, au niveau du ban, on a quand même ban à Véronica, donc bon, c'est pas de chance, mais bon, en vrai, comme je me dis qu'on a le E-Gang, bah en fait, la Jaina, elle peut rien faire, donc il va juste all-in, full, mon Sagar, mais bon, il va pas réussir à tuer, et puis derrière, bah, on cut avant la Syrah, donc on sait c'est tout le monde, on va reset la Nikki qui est la menace. Notre Jamir va reprendre son tour, du coup on va pouvoir juste resurger CD tout le monde et on repart pour des AOE. On veut tuer évidemment cette Nikki, c'est la seule qui peut nous locksack. Et bah c'est juste gagné en fait. Hein. Alors en fait, sa game. La draft en fait, il y avait plein de LD, ça avait l'air d'être broken, mais au final c'était vide, c'était vraiment vide. Il y a tout le compte de même, mais alors lui du coup, il a vraiment tous les LD du jeu. Hein. Donc il y a aussi Yonang qui va sortir maintenant. La petite Yonang, on lui vole la Jaina, t'as vu qu'il a joué la game d'avant. On reprend Jamir quand même parce que la Véronica. Et oh ok, cette game je me rappelle, en fait cette game là les gars, j'ai crashé. En fait à ce stade là, j'avais gagné je le sais, mais j'ai crashé. Du coup ça a joué tout seul. Voilà donc bon il joue premier, voilà, mais vous allez comprendre. Donc là il va faire skill 2, voilà, il va me reset, voilà il va me reset. Il va me bomber, il va faire péter, pouf, je perds mon mob. Et là tu vois je cut, d'accord. Sauf que bah je vais pas faire le skill 3, pourquoi? Bah parce que j'ai crash, ça a joué tout seul malheureusement. Et bah du coup là on est plutôt dans la merde, hein. Il pourrait juste last hit ici mais on a récupéré notre passif, donc il peut pas trop me last hit. Voilà, il va, voilà, je vais rejouer. Et là vous vous dites, bah Tito t'as perdu. Alors tu vois du coup voilà, là j'ai Roko, du coup je sais pas trop si au final bah, j'avais utilisé mon set avec Magiana, du coup je research le set avec Jaina. Donc voilà, on revive ici évidemment le Devaraja, et bah il va jouer, on va reprendre deux tours, parce qu'en fait il a la speed en fonction d'HP perdu, mon mob du coup il reprend vite ses tours quand il est low HP. Et du coup, on peut tout cesser et on retourne complètement la game grâce à ce Jamir Vanessa, magnifique. Et au final, on la gagne, les gars, on la gagne. Incroyable. Franchement, je pensais pas la gagner, celle-là. Quand je me suis reco, je me dis, bon, c'est mort, quoi. Bon, du coup, draft suivante, dans le genre de joueur avec des gros LD, bah voilà, on retombe encore sur des gros clients. Bon, et moi aussi, j'ai des LD, certes. Mais bon. Donc contre des mecs qui sont des bons clients aussi, voilà, je tiens à le préciser. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils ont plein de LD différents de moi. Du coup, bah en fait, du coup, ils me contestent pas, ils ont plein de LD, mais ils me contestent pas. Bon, voilà, il fait son skill 2, je cut du coup avec ma Jaina, c'est normal. Et là, je me dis, si pour toi, ça se proc pas, c'est fine, il proc pas, donc c'est magnifique. Je vais garder mon skill 2 quand même de ici et gang, en mode, bah, si justement, il gère ses prochains tours, et eh bien, il... il joue, et eh bien, je peux tout de même strip. Donc je vais tout taunt, voilà, le ponteuse va renvoyer mon taunt, et du coup, bah, si proc violent, c'est embêtant. On a mis tous les dégâts en tendant sur la Bergil, parce qu'on savait qu'elle allait reprendre son tour, et du coup, pour la tuer. Et là, tu vois, il fait un choix assez judicieux, c'est que bah, il se dit que bah, si je fais skill 3 avec ponteuse, bah, ça sert à rien, parce que bah, il a proc violent, parce que j'ai skill 2 avec les gangs, donc il se dit, bah, autant juste faire skill 2 et mettre un silence. Il proc violent ici, et t'as vu, il m'a tapé, du coup, il s'est mis sous le seuil parce qu'il a eu le effect damage, donc il peut moins de shot un mob. Mais bon, on tue ici tranquillement, et là, bah, le petit Gojo Dark ne peut plus rien faire, donc c'est gagné ici. Tu vois, il essaye, petit proc violent, il met pas de stun, mais bon, c'est terminé. Et puis ne faites pas attention à mes drafts, de temps en temps, voilà, il y a un petit First Pick Illinois qui arrive comme ça, voilà. On sait pas pourquoi, mais il est là, First Pick Illinois. Petite Jaina, Nikki, petite Shizuka ici, parce qu'il n'y a pas de strip dans sa compo, en fait. On banne l'aspect, il banne ma Illinois, je ne sais pas pourquoi il banne Illinois, je ne sais pas pourquoi, les gars. Demandez-lui pour moi, moi je ne sais pas. On rate la bombe, bon, ça c'est pas de chance. Et là on se dit, bah si le village ne proc pas, on est bien. Il proc pas, donc on est plutôt bien. On va faire skill 3 ici, voilà. Et puis notre skill, notre tour 2, pardon, est super fort ici parce qu'on a, on a Shizuka plus Han. Il proc avec son ragdoll, ok, pas de soucis. On va faire skill 3 ici, voilà. Il va proc violent avec son village, c'est pas de chance. Donc déjà de proc violent. Il va proc avec son Tessarion, c'est pas de chance. Encore un proc, voilà. Et il va reprendre encore avec son ragdoll, voilà, 4 proc violents, super, le jeu est super. Et mon Han, t'as vu, pas bon, il a tanké comme un chef. Il va me taper, du coup, hop là, petit revenge, il meurt, hop, petit revenge,
Hop, on proc toujours pas violent, hein, by the way. On proc seulement maintenant. Merci Sada, bah, il peut plus gagner. Voilà, Jana qui va récupérer sa spell prochain tour. Et du coup, bien, on va pouvoir tout cesser à nouveau. Et voilà, donc on tue. Maintenant, enlever la jewel. On meurt du dot, c'est unlucky. Il va all in maniki, on ne sait pas pourquoi. Je vais mettre la bombe et c'est gagné. Alors, draft suivant, du coup, quelqu'un qui joue un peu plus élémentaire. Je dis ça, il fait speak Gapsu. Mais bon, ça me free to play. Et il prend un Carnal Nana. Donc, ça, c'est très vieux gameplay. En gros, l'idée de son gameplay là, c'est. Bon, la Tetra, c'est adaptatif, mais ses 4 autres picks, il les prend tout le temps. C'est en gros, tu joues n'importe quoi, tu rates quelque chose, bah il est trop tanky et du coup, t'arrives pas à le gérer, tu vois. Et vous allez voir que je vais rater la moitié de mes spells avec tous mes mobs. Voilà, regardez, je rate absolument tous mes spells. Mais parce que j'ai le DLD, en fait, ça me permet de quand même, au final, m'en sortir. Mais le combat va être un petit peu long, du coup, je vais mettre x3. Donc, il fait que proc violent, il y a que des résistances, je peux rien faire, les gars. Vraiment, c'est chaud. Voilà, on va tout mettre ici, évidemment, sur ce petit père Abelio. Voilà, Abelio, pardon, excuse-moi. Ce carnal, on le tue une première fois. On va tourner la nana parce qu'on va perdre l'immunité, du coup, ce qu'on veut, c'est pas prendre l'immunité, le break des FAO, pardon. On va tuer, du coup, le carnal, voilà. Et là, je me dis, bah, ce stade-là, on est plutôt pas mal, quoi. On va récupérer en plus notre reset prochain tour, remettre le bac d'affiché à gauche, pourquoi pas. Il proc encore violent. En vrai, il a beaucoup de proc violent hein, par rapport à moi. Il a beaucoup de réussite parce que moi, j'ai raté beaucoup de spells. Je rate ma bombe encore. Voilà. Mais au final, on la gagne tranquillement. Alors, contre lui, il va nous jouer un petit Zibala avec Syrah. Et nous, on part sur du Contest of Speed. Et il part sur Léo, les gars. Pourquoi Léo? Je ne sais pas. Bon, au final, je banne son Léo. Je me dis que le petit PLH, je peux le gérer. Et juste on prend le premier tour parce qu'on a un meilleur lead, hein. Voilà, hop, on va pouvoir strip. Et moi je me dis, voilà, je mets le break des flats de suite. On a triple stun et super clutch, mais bon, après les gars, on avait quand même Sagar qui allait taunt tout le monde. Je mets le break des flats dessus parce que je me dis qu'on va le focus directement. Et très lucky de ma part, on va réussir à mettre la réduction ATB. Et du coup, bon, on le tue direct, pouf. Bon, de toute façon, même s'il n'avait pas eu la réduque, on l'aurait quand même tué, pas de souci. Par contre, j'ai fait une erreur. Voilà, j'ai fait un petit misplay, c'est que j'ai reset la Syrah au lieu de reset la Jana en me disant bah c'est fine. Je me suis mis dans la merde hein, en vrai de vrai, no joke. La Jana en plus elle proc tous les tours. La Jana déjà son spell limite prochain tour. Ce que je veux dire par là c'est que la Syrah n'aurait rien fait à côté de la Jana. La Jana est en train de solo, regarde, elle peut encore mettre une bombe, bon, elle la rate, elle peut stun tout le monde. Heureusement que ma Juno à ce stade là est juste beaucoup trop fort. Hein. Elle prend trop de tours en plus, du coup elle peut tuer assez facilement cette Jana. Bon, il proc violent encore, il proc vraiment tous les tours par contre, je tiens à le préciser. Moi en vrai de vrai j'ai pas proc violent, il y a que mon Sagar qui peut proc, mais il proc pas du coup. Deux membres Swift, un membre d'Esper. Voilà, il reproc encore, je vous le dis c'est une folie. Mais en vrai de vrai, ma draft était meilleure que la sienne, du coup... en fait, ton pick Léo était vraiment gaze. Et je suis sûr que j'aurais pu mieux m'adapter en vrai de vrai et laisser ce Léo, mais bon voilà. J'ai joué comme ça pour cette fois-ci. On tue la Syrah et normalement il peut plus trop me gérer, là la Juno elle solo comme une grande. Alors je vous présente le plus gros scam, je pense que c'est le plus gros scam que j'ai mis avec ma Nikki. Je n'ai jamais mis un aussi gros scam avec ma Nikki dans une partie de jeu, et ça va se passer maintenant. Non, je plaisante les gars, c'est juste une énorme Bélial DF, et oui, c'est le retour de Bélial. Ok, non, pas du tout. En vrai, j'ai piqué Bélial juste parce que je voulais faire le show, mais vous allez voir ce qui va faire le show, c'est pas du tout ce Bélial, c'est bah, la Nikki, je vous ai pas mis tôt. Donc elle va proc violent, elle va mettre un petit slip, hop là, elle va remettre un petit slip, voilà. Hop là, tu vois, elle fait son show, elle fait son show, on fait ce qu'il doit ici, tranquillement, voilà. Hop, il va all-in, mon Bélial le met à HP, du coup, moi, je veux juste one-shot, pouf, 84 dans la dent du Gapsu. On booste ATB tout le monde, hop, on va perdre notre Bélial, pas de souci. Nikki a du coup récupéré son skill 3, très bien, bien joué à toi, Nikki, très très bien, ça. Bien vu de ta part, ça, Nikki, très très bien joué de ta part. Et, bah, prochain tour, c'est au tour de Nikki de jouer et deviner ce qu'elle va faire. Un petit slip, non pardon, un petit heal, un petit slip, et un nouveau skill 3, allez, on va mon gagner, c'est parti, la fête du slip, GG Nikki. J'ai jamais mis un aussi gros scam avec Nikki que cette game là, c'est un truc de fou furieux. Le mec il a dû être solide sur ses nerfs pour pas les lâcher, parce que moi perteuse j'aurais pété un plomb. Allez, petite draft suivante, first pick hanche haut, on change un peu le first pick, et ça part sur de la Veronica, beaucoup de Veronica dans cette séquence de game. Il joue Charlotte probablement en Swift. Et en fait, moi, je pars sur le ban de la speed draft ici, évidemment. Et je prends Jamir pour le reset de la Veronica. Sauf qu'ici, je vais avoir le premier tour, je pense. Ouais, j'ai le premier tour. Du coup, je peux juste, hop là, j'y vais, skill 1, pouf, skill 2, on serait tout le monde parce qu'on est à boss. On stun même le mur, parfait. On va reset la Charlotte, c'est le Luxac, et on va la focus. C'est pas spécialement le plus opti hein, d'aller focus ce qu'on a reset. Mais bon, en fait, je me dis que la Veronica, au pire, elle est en Despair ou elle est en Swift. En général, elle est rarement en VO.
Le Oliver, Osef, et le Moore, il en désespère. Donc voilà. Et du coup, on la gagne assez facilement, cette game, sans accroche. Alors cette game-là, pour la blague, en fait, j'avais fait une game contre lui juste avant, que j'ai perdu. Mais j'avais des lettres, non pas d'orage, c'est juste parce que le replay était pas très intéressant, il m'avait vraiment outpro comme jamais, rarement tu peux outpro quelqu'un, vraiment, genre sans embellir pour tous les tours. Et du coup là, je vais voler une moitié de sa draft, et vous allez voir ce qui va se passer, donc la tendance va s'inverser, donc autant il m'a luxé que la fois dernière, autant cette fois-ci, vous allez voir, mon Bélial va être motivé de la tête aux pieds. Bon, en vrai, même moins Bélio, hein, vous allez voir. Donc, on one-shot directement, pouf, une première fois le show. On met la bombe, on va stun tout le monde. Enfin, on va stun ce qu'on peut plutôt. Petit proc violent de son côté, pas de souci. Hop, il va tuer mon Bélial. Ok. Et nous, on va focus ici à gauche. Hein. Hop, petit skill 2. Le Bélio qui claque, quand même pas mal. Hein. Petit proc violent, on peut tuer enfin ce show. Donc, on sort directement le show hein, pour pas qu'il nous solo. Et là, à ce stade-là, maintenant, je me dis, bah, je vais aller focus la Vanessa. On va reproc violent. Et on met Break Death en plus, donc c'est très lucky. On a la réduction en TB en plus. Du coup, la Bélio va pouvoir être une grosse tourniole. Pouf, 23k, ça fait mal. Hein. Le Bilal qui revient à la vie, on va pouvoir tuer. Hop, non, pardon, on fait un skill 1, je grid. En fait, j'ai grid là, il aurait pu juste me tuer, mais bon. Il aurait pu me tuer mon Magiana, c'est la merde. Mais bon. Le grid est passé. On perd notre Jana, mais à ce stade-là, bah, je me dis que le 2v2, on le garde. Enfin, le 3v2, même parce que le Bélial, il est pas mort, il va arriver à la vie quand il veut. Donc là, on va faire ça. Je décide de ne pas faire un skill 2 pour Dismoon, par exemple, à Macha, en me disant que bah, le fait que le Saga revienne en vie, bah, ça donne des stacks au Bélial pour qu'il revienne en vie plus vite, tout simplement. Donc voilà, on Dismoon la Macha. On a un petit proc, du coup le Bélial revient, il va faire ce qu'il a, il va reproc violent, hop là, et petit skill 2, pouf, 72k. Allez, ensuite, draft suivante. Alors lui aussi, il a plein de LD, il joue beaucoup Jäger, lui, il aime bien Jäger, hein, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est mec contre Kovarsi, je sais qu'il va jouer Bruiser T2, je sais qu'il va pas me flisser, c'est pour ça que je pars sur ce genre de opening directement. Cassandra Force Ban, je banne la Juno, et là je me dis, bah on est plutôt pas mal, en vrai de vrai. Donc ça va être long, ça va être très long. Mais en fait, on va juste aller tuer les mobs par un, quoi. Enfin, à l'usure plutôt. C'est ça que je voulais dire. Donc, je peux mettre un petit x3, je pense. Hein, c'est parti. Donc, on va juste attendre que la game se passe. Hein. Et en fait, lui, il n'a pas vraiment de setup pour me one-shot. En gros, il a buff attaque. Et c'est tout pour son Jäger. Donc, c'est une petite fenêtre pour me one-shot un mob. J'ai une vie en plus avec ma nana. Au moins, bah, j'ai le break death. Et le break death, c'est plus intéressant que le buff attaque hein, dans ce genre de combat. On va juste tenter de cesser tout le monde. Voilà, comme ceci. Pour reprendre l'ascendant et avoir en fait une fenêtre où on peut mettre genre des bombes, des break def et en fait avec des varjas juste tuer parce que des varjas ça fait extrêmement mal. Donc tu vois que là on met juste des break def tranquille. On prend des petits dégâts, on prend des debuffs, mais les debuffs c'est bah, nos alliés, hein, ça nous rapporte pas mal de sucène. La Semé qui est en train de tenir la baraque en fait. Là on s'en rend pas compte, mais la Semé elle tient la baraque à elle toute seule. Elle me donne full sustain, mes mobs sont full HP à chaque tour à cause, enfin grâce à cette Semé. Et tous les buffs en face durent qu'un seul tour, notamment de Kovarsi, qui sinon il était perma sous invincibilité, enfin immunité, pardon, et buff attaque, ça aurait été embêtant. Et nous voilà, donc la game se passe, tranquille, on arrive à poser des bombes sur les supports petit à petit. On la rate malheureusement ici sur la Riley, parce qu'elle aurait potentiellement bah, été morte le prochain tour. On est sur le départ quasiment pour la Jana, malheureusement, mais elle revient parce qu'on a encore un stack. On va pouvoir tout cesser, on tue au premier support, voilà. Et bah ça là on est plutôt pas mal parce qu'on peut mettre maintenant une bombe, hop, on va pas faire de skill 3, je me dis là on veut juste taper à maximum ce Jäger. En fait la game est tellement passée, on a moins 50%, enfin plus 50% d'attaque, du coup là, les bombes là elles one shot. Hein. Et en fait dès que le Jäger est mort, bah il peut plus gagner. Hein. Et bah du coup là on va la gagner. Donc désolé pour le x3 mais c'est pour pas que la game soit trop longue. C'est juste une game super longue et juste on temporise tranquillement avec nos spells, tranquillement pour faire survivre le mob qui se focus. Et nous on essaie de trouver une opportunité pour one shot un mob le plus vite possible avec les bombes plus les dégâts de Devaraja et le breakdown de la nana. Voilà. Alors ensuite draft suivant, on compte Whale. Whale beaucoup de LD et il joue First Pick et Gang, et ça fait pas plaisir. On part Bruiser contre lui. En fait j'ai joué juste avant contre lui, j'avais joué une espèce de cleave, j'avais gagné. Et je me suis dit on va changer de gameplay, donc on va faire un petit Léo Ragdoll dégueulasse. Et ben la CM, en vrai la CM est trop forte contre lui. Mais il laisse Verumos hein. Et il laisse surtout Léo contre avec le Shan. Je pense qu'il pensait que j'allais ban le Shan peut-être, potentiellement, je sais pas. Donc là il va jouer premier, enfin je vais jouer premier tour, je vais rien faire. Donc il va jouer lui par contre second tour. Donc nous on ouline en fait la Laima, je me dis que c'est le plus squishy. Et en fait tu regardes sa Laima, squishy, elle a quand même genre 40 000 HP. Je pense qu'elle doit être à plus 150 de speed, pas plus. En vrai de vrai. Vu la tankiness qu'elle a. Donc il va me CC, voilà. Il va en rater un ou deux je pense. Ouais il va rater deux CC, très bien. On va juste faire des petits skills, on va juste tuer, voilà. Et le fait qu'il ait pas stun
on veut vraiment 16 giga clutch parce qu'en fait bah, je peux me clean quasiment tous les buffs. J'ai des buffs, ça c'est plutôt OP. Petit poke violent. Salema a déjà son spell là, je pense, parce qu'elle ouais, voilà, elle va l'avoir. Elle a, en fait, Salema, elle a fait skill 3, proc, skill 1. Elle a fait skill 1, proc, skill 1 et skill 3 à nouveau. Du coup, il a récupéré très vite son spell. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, elle est déjà sur le départ. Il reproc ici, pas de soucis. On va pouvoir se sustain. On est à nouveau full life. Le travail est tout à refaire de son côté. Alors que nous, bah, on a déjà bien entamé justement cette Lema. On va la tuer très très vite. Puis une fois qu'elle est morte, bah, on va aller sur le champ, je pense. Puis voilà, c'est GG. Hein. Hop, on appuie skill 3. Et là, bah, buff attaque. Mes mobs commencent à taper assez fort. En plus, moins 20%. Petit proc vélant. Hop là. Allez, ensuite, draft suivante. First pick Vanessa. Très bien. J'aime bien changer mes first pick. Hein, je vous le répète. Petit Veromos, petite Nikki, voilà, je me dis qu'il ne conteste pas le premier tour spécialement, il aurait pu peut-être essayer de faire une espèce de cleave, mais non. Là, je me dis, bah, en fait, il a pas trop de quoi venir me chercher, là, en fait. Je fais un ban aspect à faire ici, et je me dis, là, il a pas trop de quoi one-shot, en fait, ici, tu vois. Il va tout mettre, d'accord. Ouais, il met des petits dégâts, je suis très tanky, hein. mon Veromos est vraiment tanky. Donc, bah, tu vois que je tank, hein. Voilà. Bon, il proc violent, malheureusement, du coup, ça m'arrange pas, mais bon, voilà, là, il a claqué tous ses trucs. Bah, c'est gagné, hein. Voilà, du coup, vu qu'il m'a pas mis la bombe, je vais juste faire skill 3 avec Nikki, hein, sinon j'aurais fait skill 3, vous en doutez bien. On récupère la temporisation ici avec le skill 3 de la Prada derrière, et puis bah, là, on va juste aller sur la Macha qui était très squishy. La tuer, bah, dispawn plutôt, hop là, 4-4-3 par état. Buff attack, buff speed, ça ne rigole pas, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. J'ai des bons artefacts, certes, mais c'est surtout le buff attack plus le buff speed qui font la différence. On va mettre le CC avec le Veromos, on va aller tuer directement ici à gauche la première target. On va aller maintenant sur, voilà, le Elcharion. Bah, c'est gagné ici à ce stade-là. Il a plus tous les dégâts pour me passer. Le Veromos est juste un world boss. Il peut proc autant de fois qu'il veut. Il pourra jamais revenir dans cette partie. Je vais faire skill 3 ici avec Pra pour gagner le buff speed et cycler plus. Hop, on va aller tuer tranquillement le Charion. Puis bah, c'est gagné. À droite suivante, on retombe contre le même que tout à l'heure. Et bah, il nous refait la même. Hein. En vrai de vrai, il fait l'originalité. Nous, on part sur la même chose aussi, sensiblement. Il prend les gangs. Et là, je me dis, le gang, il sert à rien, les gars. Je transis. En fait, je me dis là. En fait, je vous explique. Il a un seul support, enfin un seul pardon, knocker, trois supports, et au pire il prend un deuxième knocker, je banne un des deux knockers, et en fait je tank, donc du coup j'ai juste pris des mobs tanky, et en fait il a pris les gants, mais il sert à rien en fait, donc regardez, je me fais 3 à nouveau, hein, désolé, à nouveau c'est 3, c'est très simple en fait, je vais juste me sucer un petit peu, et full focus à gauche, c'est Joséphine, il a absolument pas les dégâts pour me passer, ça va être un petit peu long, lui il va full focus mon Dominique qui a Sandres d'ailleurs, qui va se faire full CC, mais bon c'est pas grave, ça c'est pas un détail. Et le combat est super long, mais en fait, il a à aucun moment des dégâts pour me tuer quoi que ce soit, en fait. J'ai double sustain, cleanse, self-sustain avec le Dominique qui se focus, qui est full tank, hein. Il a 30k HP, Sandres, voilà. Je vais rien faire avec Majana va faire des skills toute la game. Moi, je veux juste tuer la Joséphine, puis bah, je tuerai les autres supports derrière, et voilà, quoi. Sa draft est juste vide. On a juste bien appuyé le fait qu'il bah, a overcommit pour essayer de counter un petit peu la Jaina avec déjà deux supports de prix. Il avait rallé Cover 6 et dit je vais prendre des gangs, ça fait un petit peu de trop. Et juste en punissant en fait, tout simplement. Et puis il prend Joséphine en plus. La Joséphine qui a servi à rien, on n'a pas proc une fois sa façon passif. Donc tu vois qu'elle va juste tomber au bout d'un moment, et puis bah voilà. Hein. Voilà, elle tombe, hop. Là on va aller taper maintenant le gang tranquillement, mais c'est gagné. Hein. Et il quitte directement, il a bien raison. Allez, petite danse suivante. First Pixia, j'aime pas les First Pixia, je trouve ça fort. Du coup je prends Vanessa en mode pour tanker les Nuke Monoïdes. Hélène Véronica, évidemment, mais là je me dis, je vais partir sur que des mobs super tanky. Voilà. Et je me dis, là, s'il faisait double robot, genre robot vent, robot dark, j'avais perdu, je pouvais pas gagner. Je sais pas pourquoi, il a fait une rota dégueulasse, et du coup, en fait, bah, ok, il a le premier tour, mais il fait quoi? Il fait rien, il me reset, tout ça, très bien, mais il a pas les dégâts pour me passer, en fait. Bon, le Devourager, c'est lucky, certes, mais bon, voilà, quoi. En gros, il va juste aller bomber, je sais pas quoi. Je vais me mettre en posture pour gagner des HP. Voilà, il va aller bomber, je crois, mon Devourager, je pense. Je proc avec tous mes mobs, bah, regarde, ils proc tous, mais ça, bah, mais proc, ça va rien, vous en doutez bien. Ouais, il va du coup sur le Devraja. Mais bon, voilà, tu vois, je suis trop tanky. Hop, il va faire skill 2, il va la rater, je pense. J'ai Sandres sur mon mob. Sa Adrenal n'est certainement pas capé. Perso, j'aurais plutôt été sur le Veromos. Je savais que le Veromos allait rejouer avant. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Et du coup, il a les cleans, probablement l'oblivion que le Gapsu allait se choper. Bah nous, notre objectif, c'est juste évidemment d'aller tuer bah, ce Tira. On proc aussi beaucoup violent, hein, certes, mais en fait, on a même pas besoin de ces procs violents. Ils servent vraiment à rien du tout. Là, en fait, le plus dur est passé. La bombe est passée. On a juste, en fait, à attendre de faire skill 2, voilà, avec des Varaja. Voilà, c'était ce tour-là, en fait, tout simplement. Et bah, c'est gagné, en fait. On va juste tuer la Tira, et puis, bah, il n'y a plus rien dans sa draft.
Là, c'était vraiment vide. Au moins, il a fait une mauvaise dernière rotation. Il aurait pris double robot. Je pouvais pas la gagner. Et enfin, dernière petite game. First pick Devaraja. Pour le plaisir, j'adore ce mob. C'est, je pense, mon mob favori pour l'instant cette saison. Et voilà, il part sur une draft très stall. Du coup, bah, nous, on part sur en fait, de la sustain et de la nuke. Alors, on va pas me garder le saga. Je me dis que bah, là, il a rien en fait. Sa draft est vide. À nouveau, elle est vide comme l'air, les gars. C'est G3, ça, quand même. C'est G3. Sa draft est vide. Donc, il joue premier. Il fait quoi? Il fait rien. Ça me fout l'air. Voilà. Voilà son T1. Voilà son T1, les gars. Il a rien fait. Donc, moi, qu'est-ce que je fais à côté? Bah, je sais tout le monde. Et Mohan va juste aller one-shot de Ashur. Et voilà, GG well paid. Hop. Pouf. Les dégâts. Pouf. Et là, bah, on va tuer là, tranquillement avec le Vermas. Pas tuer. Avec la Nikki. Hop. Bah, là, il peut plus revenir. Hein. Là, c'était vraiment trop vide, ça, truc de zinzin. Je crois qu'il va quitter, il va pas rester, il reste digne. Voilà. Du coup, voilà. Je me suis trop amusé cette session de RTA. Vraiment, il y a eu des loses, hein, mais j'ai fait que gagner quasiment. C'est pour ça qu'on a pris quasiment 70 points. J'espère que toi, t'as kiffé regarder cette petite vidéo. On voit une petite game Belial, petite game Jamir. On n'a plus trop l'habitude. Petite game LD Abuseur, voilà, comme vous aimez. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et ciao, ciao les potes, t'as tes titos.